Donc merci aux organisateurs pour l'invitation et puis merci à vous d'être ici en un dimanche après-midi. Donc cet exposé, je vais d'abord vous présenter un petit peu la mission Planck. Donc, c'est un satellite, pas une sonde, qui a observé la plus ancienne image de l'univers. On va voir comment il l'a obtenue, ce qu'elle est, et ensuite comment on la décrypte pour raconter l'univers. Alors on est quand même dimanche après-midi, donc on va commencer par une minute de pur bonheur. À tous de la vidéo, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP et décollage. Donc ça, c'était le 14 mai 2009. Donc Ariane 5 a lancé depuis le port spatial de Kourou en fait deux satellites, l'observatoire infrarouge Herschel et le satellite Planck. Donc le décollage s'est absolument bien passé, la mise en orbite a été absolument parfaite et donc a été mise en orbite ce satellite que vous voyez ici, on va décrire un petit peu par la suite. Donc il a comme objectif d'étudier, de cartographier extrêmement en détail la toute première lumière de l'univers qu'on appelle le rayonnement fossile. On reviendra dans la deuxième partie vraiment sur ce qu'est cette lumière et comment elle s'est formée. C'est la première mission européenne. Il y a eu avant deux générations de satellites américains, COBE et WMAP. Donc c'est un peu comme Rosetta, les Américains ont fait certes le début, mais le plus beau reste européen. C'est toujours ça. Donc il a été fait pour cartographier le ciel avec une sensibilité de 2 millionièmes en sensibilité, donc voir des écarts, ici notre ciel on le traduit en température, de quelques millionièmes de degrés. Donc le télescope il fait 1,50 m de diamètre, bon, dans l'espace c'est quand même déjà raisonnable. La résolution angulaire est de 5 minutes d'arc, alors j'imagine qu'il y a pas mal d'astronomes amateurs ici, donc 5 minutes d'arc pour les autres c'est un sixième de pleine lune. Si on fait du visible, c'est pire que mauvais, bien évidemment. Mais aux longueurs d'onde dans lesquelles regarde Planck, dans le domaine submillimétrique, c'est très bon et ça nous suffit pour voir tous les détails de l'image primordiale. Il n'y a pas de détails plus fins. Donc comme dans toute mission spatiale, on fait aussi le minimum de ce qui est nécessaire parce que faire encore mieux, ça coûte plus cher, c'est plus lourd, c'est plus gros. Donc on fait l'indispensable et c'est tout. Deux instruments à son bord, un instrument basse fréquence dans le domaine radio qui est sous maîtrise d'œuvre italienne et qui est quasiment la même chose que son prédécesseur WMAP, le prédécesseur américain, sauf qu'il est un petit peu refroidi, fonctionne à 20 Kelvin, donc moins 250 degrés. Je ne parlerai pas spécialement de cet instrument. L'essentiel de la science, il faut bien l'avouer, vient quand même de l'instrument haute fréquence qui est sous maîtrise d'œuvre française. Donc, il y a une très grosse communauté en France qui travaille dessus et qui regarde le ciel depuis les domaines submillimétriques jusqu'à l'infrarouge lointain et qui est refroidi à seulement 0,1 degré au-dessus du zéro absolu. Donc, pour se fixer un peu les idées, ici vous avez tout le domaine de longueur d'onde de la lumière, donc le visible, l'infrarouge. Et avant la radio, vous avez le domaine submillimétrique, millimétrique, et c'est là que Planck regarde le ciel. En termes de longueur d'onde, par définition, c'est du millimétrique. Et en termes de température, puisqu'on peut relier la couleur à la température, souvent vous savez que les étoiles bleues sont plus chaudes que les étoiles rouges. Donc ça, c'est quand on reste dans le domaine du visible. Mais si on va vers les plus basses températures, dans l'infrarouge, on voit nous. En infrarouge, avec des lunettes infrarouges, on voit les gens dans le noir, avec leur émission infrarouge propre. Et pour Planck, on est entre quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu et la température minimale, qui est à peu près 3 degrés au-dessus du zéro absolu.
Alors les détecteurs, un peu les yeux de Planck, donc ce n'est pas du tout des CCD, hein, comme ceux dont vous avez peut-être plus l'habitude, c'est ce qu'on appelle des bolomètres. Donc des bolomètres sont des grilles. Et ici vous avez deux sortes de grilles selon que l'instrument est sensible ou pas à la polarisation. Et la maille de cette grille est plus petite que la longueur d'onde de la lumière que l'on cherche à récupérer. Donc cette lumière, elle va être piégée dans la grille, elle va laisser son énergie sous forme de chaleur, et ces petites choses-là, ces petits rectangles, ce sont en fait des petits thermomètres qui vont mesurer des élévations de jusqu'à quelques milliardièmes de degrés. Alors comment est construit le satellite ? Eh bien, les détecteurs sont placés au cœur du plan focal, la lumière est guidée dans des cornets, donc ici vous avez l'instrument HFI au centre, et l'instrument LFI autour. Et donc ça, c'est le plan focal vers lequel va être envoyée la lumière. Alors je vous ai dit que les instruments étaient refroidis, donc il y a toute une chaîne cryogénique. D'abord un refroidissement passif avec des ailettes, puisqu'à la base on est à 300 Kelvin, la température de la pièce. Ensuite un premier système de refroidissement, une sorte de réfrigérateur à hydrogène, donc qui va refroidir à 20 Kelvin, moins 253 degrés, et qui va refroidir tout l'ensemble. C'est le seul système redondant à bord du satellite, parce que c'est le premier élément de la chaîne, et il peut s'user, il fallait éventuellement pouvoir changer. Ensuite, il y a un espèce de réfrigérateur à hélium liquide, qui lui va refroidir essentiellement les cornets et la température de référence, les cornets de HFI, la référence de LFI, et enfin, un système avec de l'hélium 3 et de l'hélium 4, qui va être conduit jusqu'au pied du plan focal, mélangé, et ce mélange produit du froid qui sert à refroidir les détecteurs de HFI à 0,1 degré au-dessus du zéro absolu. On n'avait jamais fait fonctionner, sauf une fois quelques heures, un instrument dans l'espace à des températures aussi froides ou plus froides, et là ça a fonctionné parfaitement pendant près de 1000 jours. Ensuite vous avez toute la base du satellite avec l'électronique, l'informatique embarquée, tout le système de communication, de navigation, etc. Toute la mécanique pour que l'ensemble supporte le lancement, le télescope secondaire, le miroir primaire et puis un baffle pour empêcher que la lumière parasite rentre dans l'instrument. Donc voici notre satellite qui n'a donc plus aucun secret pour vous. On peut se demander tout de même qui est Planck avant d'aller un petit peu plus avant dans les résultats. Donc l'ESA nous demande de donner le nom d'un personnage, d'un scientifique au satellite. C'est vrai qu'avant ça s'appelait Cobra Samba, qui ne veut pas dire grand-chose, alors que là au moins c'est l'occasion de rappeler que Max Planck est l'un des pionniers de la mécanique quantique, donc de la physique de l'infiniment petit. Et en 1899, c'est lui qui a découvert la loi du corps noir, qui est la loi qui donne le lien entre la température d'un corps et son émission de lumière. Ce qui est absolument remarquable, ça a été mesuré par le satellite Kobe en 1992, c'est que cette toute première lumière de l'univers, si on fait son spectre très détaillé, donc ce qui a été fait il y a 20 ans, que Planck ne fait pas, parce que ce n'est pas du tout dans ses objectifs, ça suit une loi de corps noir parfaite. On n'a aucun autre corps noir aussi pur. Et c'est assez remarquable que cet objet, on ne peut pas faire plus grand que cette coquille du rayonnement fossile, ça suit parfaitement une des lois de base de l'infiniment petit. Ensuite, Planck, au niveau de la collaboration, c'est un peu plus de 600 chercheurs dans le monde. Donc évidemment, comme c'est une mission européenne, beaucoup de gens en Europe, notamment France, Italie, mais aussi Angleterre, Espagne, les pays du Nord, là c'est plus dans l'instrument basse fréquence, et tout de même d'assez nombreux collègues américains. Il y a 4 laboratoires aux États-Unis, côte Est et côte Ouest, qui sont des collaborateurs très importants. Il y a un peu plus de 70 laboratoires en tout, dont 9 français. À part sur un aspect technique qui est à la base pour LFI et HFI, on est tous dans HFI. Donc on est en tout, il y a une centaine de personnes qui ont travaillé beaucoup à énormément sur cet instrument. Et puis, l'économie de la connaissance, qui malgré tout est quelque chose que je pense qu'il n'est pas à négliger ou à passer entièrement sous silence, qui concerne des milliers de partenaires, puisqu'une expérience comme Planck est entièrement financée par des fonds publics. Alors c'est pas cher, hein, c'est 1 euro par européen
pour toute la mission, pour l'histoire de l'univers. C'est tout de même très raisonnable. Et cet argent, il va aux agences spatiales ou aux laboratoires de recherche qui ensemble définissent le projet, font les tests des instruments. En général, la construction est faite dans des industries spécialisées et puis la conception et les tests des instruments sont faits dans les laboratoires de recherche. Ensuite, les agences sont responsables du lancement et les données vont aux laboratoires de recherche qui moulinent tout ça, les analysent, les interprètent. Et puis à la fin, eh bien, essaye d'en sortir des résultats qui servent à la communauté et puis qui sont diffusés via des conférences comme celle-ci. Et puis on est aussi un peu obligé de dire qu'il y a aussi les innovations technologiques qui peuvent sortir de la partie industrie du spatial. Je ne suis pas sûre que vous ayez rapidement besoin d'un réfrigérateur à 0,1 Kelvin, mais on ne sait jamais, de façon très indirecte, on peut imaginer des retombées. Alors comment Planck observe le ciel ? Donc, c'est très différent d'un observatoire classique, un télescope usuel, qui va regarder telle galaxie, il va la fixer pendant 5 minutes ou une heure, et il va faire sa petite carte. Planck, il tourne sur lui-même à un tour par minute. Il a été mis dans ce mouvement de rotation dès le lancement, juste avant d'être largué. Et ben, c'est comme nous, si on regarde, ben, on voit tout le paysage qui est devant nous. Donc il tourne sur lui-même à un tour par minute et il récupère la lumière qui passe devant lui. Donc il fait un tour en une minute et comme il suit le mouvement de la Terre autour du Soleil, il voit à peu près tout le ciel en 6 mois. Donc c'est vraiment un paysage autour de lui qu'il récupère avec une sensibilité qu'on essaye d'être maximale. Et comme c'est difficile de manipuler des sphères, eh ben, on déplie ça sur une planisphère céleste, exactement comme on fait pour la Terre. Ça, c'est le ciel invisible que vous connaissez, un ciel noir avec quelques étoiles. Des paradoxes, pourquoi la nuit est-elle noire ? En fait, elle n'est pas noire du tout, c'est juste qu'on n'a pas les bons yeux. Avec les yeux de Planck, notre voie lactée est absolument éblouissante et la lumière est partout. La lumière dans l'univers, ce n'est pas du tout celle des étoiles qui, en termes de bilan énergétique, sont totalement négligeables. La lumière, c'est celle-ci, ici représentée par les petits grumeaux. C'est ce bain de lumière qui est là depuis que cette lumière a été émise, 380 000 ans après le Big Bang, qui est partout. Et c'est ça la lumière de notre univers, et c'est ça que Planck veut cartographier avec un maximum de détails. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble ? Eh bien, ici, vous avez les 9 cartes correspondant aux 9 bandes de fréquence, aux 9 couleurs dans lesquelles Planck est sensible. En haut, les 3 correspondant à l'instrument basse fréquence et en dessous, les 6 correspondant à l'instrument haute fréquence. Donc, sur ces cartes, il y a 2 choses importantes à remarquer. D'abord, l'aspect de notre voie lactée. Vous voyez qu'ici, la voie lactée est de plus en plus lumineuse jusqu'à remplir absolument tout le ciel autour de nous, autour du satellite, qui voit absolument partout. Pourquoi ? Parce que dans notre galaxie, il y a des poussières froides à des températures de quelques dizaines de 10, 20 Kelvin, donc moins 250, moins 260 degrés Celsius. Et ces poussières, elles rayonnent à une température, à une fréquence correspondante à peu près à l'infrarouge lointain, donc à vers 500-857 GHz. Et donc, le ciel est totalement dominé par de l'émission très proche, l'émission des poussières de notre galaxie, à ces fréquences-là. À plus basse fréquence, on voit que l'émission elle est faible vers 100 gigas, puis qu'après, elle redevient assez importante, avec une distribution un petit peu différente. Ici, c'est une émission non thermique, puisqu'on est à des températures qui seraient bien en dessous des 3 degrés Kelvin, qui sont notre bain thermique. C'est une émission synchrotron des électrons qui tournent autour des lignes de champ magnétique galactique. Donc exactement comme les synchrotrons sur Terre, il y en a à Grenoble, il y en a dans plein d'autres endroits, on fait tourner des électrons et ça produit un rayonnement très, très bien maîtrisé. Et bien là, ce sont les électrons qui tournent dans le champ magnétique galactique. Et puis l'autre chose à remarquer, c'est le fond de ces 7 images qui est exactement le même dans les 7 cas. Donc il a exactement le même aspect parce que l'unité choisie, il est exprimé en unité de température du rayonnement fossile.
Donc l'énergie reçue par les détecteurs est convertie dans cette unité-là. Et déjà, rien que le fait que les cartes aient le même aspect, ça prouve avec une précision pas extraordinaire parce que ce n'est pas le but, que ça suit bien la loi de Cournot d'un corps à cette température-là. Donc on a un peu, on a ce paysage cosmique. C'est très intéressant, donc si on fait de la physique galactique, il y a plein de belles choses, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fond. Donc on va essayer de le récupérer partout. Donc un exercice particulièrement délicat et essentiel dans Planck, c'est ce qu'on appelle la séparation des composantes, c'est-à-dire qu'on va séparer les différentes émissions pour les étudier. Donc ici, vous avez de nouveau l'image composite, donc un peu tout le paysage vu par Planck. On identifie les sources les plus fortes. Ici, vous avez les nuages de Magellan, là, qui ont été masqués, le grand et le petit. On les enlève. Celles-là, on va les masquer essentiellement. On identifie l'émission radio, qui correspond à l'émission synchrotron, basse fréquence. On l'enlève. Et on va identifier l'émission de la poussière galactique. On l'enlève. Et on obtient la carte du rayonnement fossile sur tout le ciel. Alors cette carte, c'est un tout petit peu triché. En fait, on reconstitue le rayonnement fossile sur 97% du ciel. Il n'y a vraiment que le cœur du cœur de notre galaxie que l'on n'arrive pas à enlever proprement. On n'arrive pas à voir derrière le centre galactique. Donc on a cette image de tout le ciel. Ce qu'il faut voir, c'est que quand même, évidemment, on a une confiance un petit peu limitée quand on essaye de regarder derrière des endroits où notre galaxie est très très forte. Donc, quand on va faire de la cosmologie, on va enlever les zones qui sont vers le plan galactique. Mais on peut néanmoins se servir de la carte de tout le ciel pour d'autres applications. Et malgré tout, elle est quand même. On ne voit pas de résidus, on ne voit pas de reste du plan galactique. Ce qui est très important, c'est l'unité de cette carte. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les écarts en température par rapport à la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est 2,7255 Kelvin, mesuré par Kobe. Donc, vous remarquez la précision incroyable de cette température. Et nous, ce qu'on cherche, c'est les endroits où c'est un petit peu plus chaud ou un petit peu plus froid. Et vous voyez l'échelle qui est en micro-Kelvin, donc en millionième de Kelvin. Donc on a bien été capable de mesurer des écarts de quelques millionièmes d'un point à l'autre du ciel, ces points étant séparés de seulement quelques minutes d'arc. Et si vous voyez l'échelle maximale, on a seulement un millième de degré d'écart entre le point le plus chaud et le point le plus froid. Donc on voit généralement ces cartes très grumeleuses et très contrastées parce que la physique est dans les contrastes, mais le ciel est quand même vraiment incroyablement le même partout. Il faut beaucoup travailler pour arriver à voir ces contrastes. Enfin, il faut monter. Alors, avant de passer à l'interprétation, ce qui est essentiel, c'est que tout ce que je vous ai montré là, le fonctionnement de Planck et les cartes, elles sont indépendantes de tout modèle cosmologique. Peut-être que ce que je vais vous raconter après, c'est n'importe quoi. Peut-être que dans 20 ans, dans 100 ans, les gens seront morts de rire en se disant qu'on pensait qu'il y avait de la matière noire et de l'énergie noire. C'est possible. On pense de plus en plus qu'on n'a pas tout à fait tort, mais c'est possible. Mais si vous avez un autre modèle cosmologique, pas de problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit en accord avec cette carte. Et cette carte étant très précise, c'est très difficile. Donc c'est vraiment la démarche permanente, c'est d'essayer d'avoir des meilleures données, des données plus complètes, des données plus précises. Et puis les données s'améliorant, les modèles, les théories, ils font des calculs. Et puis, s'il y a des grosses barres d'erreur, s'il y a des choses qui sont approximatives, les modèles, il y en a plein qui peuvent être compatibles avec ce qu'on voit. Si les observations sont précises, il y a beaucoup moins de modèles qui sont possibles. Bon, après, les théoriciens sont pleins d'inventivité et ils vont, à l'intérieur du possible, réinventer plein de modèles. Mais néanmoins, on progresse. Donc maintenant,
Qu'apprend-on? Alors, il faut d'abord avoir une idée un petit peu claire de ce qu'est le rayonnement fossile. Et pour ça, on a besoin de revoir un petit peu notre histoire de l'univers. On se place 3 minutes après le Big Bang. Donc, on a fait toutes les choses vraiment physiques des particules, physique nucléaire. On a nos noyaux légers, etc. On a un plasma avec essentiellement des électrons libres, des protons et une énorme quantité de photons. Les particules de lumière. Tout ça est en interaction permanente, c'est-à-dire que l'univers est opaque et très très chaud. On a une température de millions de degrés, on est comme au cœur du Soleil. On ne peut pas voir le cœur du Soleil. Ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question d'instrument, c'est que la lumière ne ressort pas. Donc elle ne peut pas nous apporter d'informations. À cette époque-là, c'est la même chose. On sait que l'univers, il existait, il était là, mais on ne peut pas le voir parce que la lumière ne sortait pas et donc elle n'a pas pu voyager jusqu'à nous pour nous donner de l'information. Le Big Bang a initié une expansion de l'univers. Donc l'univers, en se dilatant, les mailles d'espace en se dilatant, l'univers se refroidit. Et à l'âge de 380 000 ans environ, la température n'est plus que de quelques milliers de degrés. Quand ça atteint 3000 degrés, la moitié de la température de la surface du Soleil en gros, maintenant les photons qui ont une énergie correspondante à cette température, parce que tout ça est en équilibre, ne sont plus capables de casser les atomes. Ils ne peuvent plus arracher les électrons qui essayent tout le temps, dès les phases de plasma. Un électron, il essaye de se coller à un proton, mais avant, il y avait toujours un photon pour arracher l'électron. Maintenant, les photons ne sont plus capables d'arracher les électrons, les atomes se forment, la matière va vivre sa vie sous l'effet purement de la gravité, et la lumière, l'énorme quantité de lumière qui était piégée par cette matière, est libérée. Et cette lumière, elle est émise à un moment donné, et on la voit de tout temps et en tout lieu, et ça forme une espèce de coquille. Et le rayon de cette coquille correspond au temps, est lié au temps passé depuis cet événement. Donc on la voit toujours. Si on avait été là à l'époque, ça aurait été quasiment comme la lumière du soleil partout. Un petit peu éblouissant. En même temps, on n'était pas là. L'univers a continué bien sûr de se dilater, donc de se refroidir. Et aujourd'hui, il est toujours transparent, mais il est extrêmement froid. À cette fameuse température d'un petit peu moins de 3 Kelvin, moins de 170 degrés. Donc à l'époque, l'image aura été dans le visible, dans le rouge. Aujourd'hui, cette lumière, il faut la voir dans le domaine submillimétrique. Donc c'est pour ça que Planck regarde dans cette couleur-là, où cette lumière est émise. Et ce qu'on voit, c'est comment était l'univers quand il avait 380 000 ans. Donc, deux petites choses un petit peu amusantes sur notre bain thermique. Donc, comme je l'ai dit, c'est isotrope, c'est identique dans toutes les directions. C'est l'une des choses extrêmement importantes, on le verra pour la suite, pour les modèles d'inflation. La température est vraiment partout pareille. Et si on regarde un peu plus en détail, avant d'arriver aux petites fluctuations de quelques dizaines, centaines de millièmes de degrés, on a un dipôle avec une amplitude de 3 millikelvin. Et ce dipôle, c'est vraiment un effet Doppler. C'est exactement comme le pimpon de la sirène des pompiers qui est plus aigu ou plus grave selon que l'ambulance ou le camion des pompiers s'éloigne ou s'avance de nous. Et bien ça, c'est lié à notre mouvement par rapport à cette coquille autour de nous. Alors il y a le mouvement auquel on pense immédiatement, c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil. Il compte, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est le mouvement de notre Soleil autour de notre centre galactique. C'est le mouvement au sein de la galaxie qui constitue l'essentiel du mouvement et qui cause ce dipôle. Ce dipôle, il est essentiel pour étalonner la réponse de l'instrument. Et sinon, il ne sert à rien, donc on l'enlève. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez jamais sur aucune carte. Alors, à quoi correspond le modèle du Big Bang dont vous avez tous entendu parler? Donc ici, un schéma assez connu avec en haut le Big Bang non dessiné exprès, qui n'est pas une explosion. Une
phase a priori d'expansion gigantesque l'inflation, l'époque de la formation des premières briques de matière, des premiers noyaux, et puis 380 000 ans, la formation du rayonnement fossile, donc qui marque vraiment une transition dans l'histoire de l'univers qui devient accessible par la lumière. Les âges sombres, c'est l'époque où il n'y a plus de lumière qui est spécialement libérée, une grande quantité de lumière, et puis il n'y a pas encore d'étoiles qui brillent. Donc l'exploration de cette période, c'est vraiment clé dans les prochaines décennies. L'allumage des premières étoiles, et puis la structuration de l'univers en galaxies et amas de galaxies. Donc le modèle du Big Bang, c'est aujourd'hui un cadre parfaitement solide, étayé par de nombreuses observations totalement indépendantes, et ce n'est même pas remis en question. On doit bien trouver un ou deux théoriciens, mais globalement, c'est quand même une base absolument bien admise. On suppose deux choses, qu'on a la même physique partout. Alors, parfois, on essaye de tester cette hypothèse, et on trouve qu'elle est parfaitement vérifiée. Et on suppose que l'univers est partout, enfin isotrope et homogène, c'est-à-dire que si on regarde un bout ou un autre d'univers, c'est pareil. Donc évidemment, dans notre ciel proche, c'est totalement faux. Hein, notre galaxie ou Andromède, c'est là et pas ailleurs. Mais si on fait des cubes suffisamment grands, typiquement 150, quelques centaines de mégaparsecs, donc dans les 500 millions d'années-lumière de côté, ben vous prenez deux cubes d'univers de 500 millions d'années-lumière de côté, vous avez les mêmes propriétés statistiques à l'intérieur. Ça, c'est vérifié. Alors, le modèle de concordance, ou modèle sans standard de la cosmologie, il s'est vraiment élaboré dans les années 2000. Donc, il comprend donc, le Big Bang. Hein, donc, on applique les lois de la relativité générale. Le Big Bang en lui-même, on sait bien que ce n'est pas possible, mais on sait qu'on peut remonter à un moment où l'univers était arbitrairement petit et chaud. Et on n'a pas besoin pour tout ce qui suit de savoir très exactement, d'ailleurs on sait qu'on ne sait pas, on ne peut pas remonter jusqu'à t égale 0 avec la physique actuelle, mais ça ne nous pose aucun problème pour ça. La composition de l'univers, bon, il y a seulement trois familles de neutrinos qui sont négligeables. À une époque, ça pouvait être un candidat matière noire, mais ça ne l'est plus. On sait que l'on a un tout petit peu de matière ordinaire, matière baryonique, on emploie les deux termes. On a beaucoup plus de matière noire froide. Donc froide, je le répète rarement, ça veut juste dire que c'était des particules qui étaient non relativistes quand le rayonnement fossile a été émis. Et puis la fameuse constante cosmologique qui aujourd'hui domine le bilan énergétique de notre univers, qui fait que globalement l'expansion de notre univers est aujourd'hui accélérée. Donc on a une force répulsive à grande échelle. Et puis on a besoin d'une inflation, donc qui est une dilatation exponentielle de notre univers juste après le Big Bang. Donc toute la mission Planck a vraiment été conçue pour tester ce modèle. Deux cas possibles, soit on trouve que ça ne marche pas, et on trouve que il y a quelque chose qui ne colle pas, il faut réviser ce modèle, il y a quelque chose là-dedans qui est faux. Soit on trouve que ça marche et on doit être capable de dire au pourcent près quelle est la composition de l'univers par exemple, et de dire à peu près comment s'est passée l'inflation. Donc c'est vraiment l'objectif principal de la mission. Alors, que nous dit le rayonnement fossile? Eh bien, c'est vraiment une observable quasiment inépuisable qui peut nous raconter les 13,8 milliards d'années. Alors, naturellement, la première chose, c'est qu'il nous dit comment était l'univers à 380 000 ans. Les endroits où c'est plus froid, c'est des endroits où il y avait plus de matière, donc plus des surdensités, qui plus tard vont évoluer et devenir des galaxies et des amas de galaxies. Donc, c'est vraiment les embryons des grandes structures de notre univers que l'on voit ici. Et puis à l'inverse, bien sûr, les zones plus rouges, ce sont des endroits où il y a moins de matière, donc qui vont devenir des vides. Le rayonnement fossile nous raconte aussi ce qui s'est passé après son émission.
Je vous ai dit que l'univers, après, était devenu transparent, donc la lumière se propage librement du rayonnement fossile jusqu'à nous. C'est bien, alors c'est à peu près vrai, mais c'est quand même pas tout à fait vrai. Alors, si on prend un petit morceau d'univers, on prend un petit cube, et puis on le fait évoluer en fonction du temps, eh bien, on voit des images assez... Voilà, qu'on commence à bien connaître d'évolution des structures, où, sous l'effet de la gravité, la matière va s'effondrer pour former des galaxies, des amas de galaxies, des filaments, et se structurer. Et notre rayonnement fossile, il va voyager jusqu'à nous, et il va être parfois dévié par la masse, enfin, il va même toujours être dévié par la présence de masse entre nous, l'observateur, donc qui sommes ici, et cette lumière du rayonnement fossile. Alors pour reprendre, j'ai entendu il n'y a pas longtemps une image que je trouve vraiment excellente. Imaginez que vous êtes au-dessus d'une piscine, vous regardez le fond de la piscine, et puis ben, comme dans n'importe quelle piscine, vous avez un dallage au fond. Vous savez que le dallage, ben, a priori, c'est des rectangles réguliers, bien droits. Et ce que vous voyez, c'est une image avec des lignes courbes. Et bien, a priori, ce que vous devez pouvoir être capable de faire, c'est de reconstituer la taille, comment est le dallage, et quels sont les mouvements d'eau qui ont conduit aux déformations que vous observez. Et bien là, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que simultanément, on reconstruit l'image du rayonnement fossile telle qu'elle est vraiment, non déformée, et on utilise cette déformation pour nous dire où est la matière sur le chemin. Alors c'est une projection de la distribution de matière tout le long de la ligne de visée, donc sur les 13 milliards d'années-lumière. Néanmoins, il faut que la matière soit suffisamment structurée pour que ça fasse déjà un effet important. Et puis, il ne faut pas que ce soit trop dilué non plus. Donc, en gros, c'est 2-3 milliards d'années après l'émission du rayonnement fossile que l'effet est maximal. Donc, mathématiquement, il faut tenir compte des projections, etc. Mais pour se fixer les idées, c'est en gros quelques milliards d'années après, donc 10 milliards d'années avant nous, on a une information sur cette distribution de masse. Alors on peut raisonnablement se demander, est-ce que c'est bien raisonnable de prétendre dire où est la masse sur 10 milliards d'années, sachant qu'on reconstitue une image qu'on ne connaît pas. Mais Planck ayant plein de cordes à son arc, on peut le vérifier. Donc ici c'est la carte de la distribution de masse qui est bruitée, mais néanmoins qui est extrêmement précieuse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vérifier qu'il y a bien de la matière là où Planck nous dit qu'il y a de la masse. Pour ça, on va utiliser le fond diffus infrarouge. Donc je vous ai dit que notre galaxie émettait un rayonnement thermique avec ses poussières. C'est bien sûr vrai de toutes les autres galaxies. Parce que sur les images que je vous ai montrées, à l'œil, on voit notre galaxie, éventuellement l'image de Magellan, et puis le rayonnement fossile. Mais il y a aussi, bien sûr, toutes les autres galaxies entre nous et cette image. Alors Planck n'ayant pas une bonne résolution, on en distingue dans les catalogues quelques milliers, et toutes les autres, en fait, elles se confondent et elles forment un fond qu'on appelle le fond diffus infrarouge, qui est la somme des émissions des poussières de toutes les autres galaxies. Et si on regarde dans des couleurs là où notre galaxie à nous domine aussi, eh bien on va voir l'émission de la poussière des galaxies proches de nous. Si on regarde à plus basse fréquence, ça va être redshifté, décalé vers le rouge, on va voir des galaxies un petit peu plus lointaines. Et puis, encore à plus basse fréquence, on va voir des galaxies encore plus lointaines. Alors c'est une image qui est beaucoup, beaucoup plus compliquée à interpréter que le rayonnement fossile. Parce que le rayonnement fossile, c'est à un instant donné, on a une émission thermique très simple. Là, en fait, vous mélangez, par exemple, vous vous mettez là, vous mélangez du très chaud un peu plus lointain avec du très froid un peu plus proche, avec du moyen, moyen chaud, moyennement loin. Donc c'est beaucoup plus difficile à interpréter. Néanmoins, ça vous trace quand même un petit peu où est la matière ordinaire, puisque là, c'est l'émission des poussières, donc c'est de la matière baryonique toute normale. Alors, les chercheurs de la collaboration se sont adonnés à un petit exercice extrêmement fructueux.
Ils ont pris 20 000 zones dans la carte où il y avait une concentration de fonds diffus infrarouges. Ils les ont sommés et ça donne une mini-carte comme ça où là vous voyez un très très beau signal d'une surdensité. Donc c'est ce qu'on appelle le stacking. On superpose plein de petits signaux. Chacun est assez faible, mais quand on les superpose tous, on a un très beau gros signal. On fait de même avec des endroits où il manquait du fond diffus infrarouge. Et on a aussi quelque chose de très propre. Et puis, ils ont fait avec des points au hasard sur la carte et ils obtiennent quelque chose de tout varié. Et les mêmes endroits, ils ont regardé, si on traduit l'effet de lentille par un déplacement de la lumière, ils ont regardé comment se déplaçait la lumière, évidemment dans les mêmes endroits. Et on voit remarquable un accord absolument incroyable auquel il nous a fallu quelques mois pour nous convaincre que c'était vrai, tellement c'était beau. On voit vraiment la lumière qui se focalise vers les surdensités et qui fuit les sous-densités. Donc ça prouve que notre effet de lentille, on ne s'est pas trompé, c'est pas un artefact mathématique, c'est pas du hasard, ça nous dit bien où est la masse. Et puis par ailleurs, au niveau de l'astrophysique, c'est une source extrêmement puissante puisque l'effet de lentille vous dit où est la masse totale et le fond diffus infrarouge vous dit où est la masse baryonique. Donc c'est très utile pour contraindre dans les modèles la proportion de masse ordinaire, de masse noire, etc. pour les modèles d'évolution des galaxies. Donc Planck nous dit bien où est la matière quelques milliards d'années après l'émission du rayonnement fossile. Ça marche. Évidemment, la grande puissance du rayonnement fossile, c'est que ça nous dit aussi ce qui s'est passé avant. C'est exactement comme pour le Soleil. Le Soleil, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas voir à l'intérieur du Soleil et pourtant les chercheurs vous disent vous avez telle composition, telle pression, telle température. Pourquoi ? Parce que ça influence directement ce que l'on voit à la surface. Si vous changez la composition du cœur du Soleil, vous changez l'aspect de sa surface. Et bien là, c'est exactement pareil. Si vous changez ce qui s'est passé avant l'émission du rayonnement fossile, vous changez son aspect. Et donc, on peut ainsi retrouver ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques, qui sont la géométrie de l'espace, la quantité de matière noire ou pas noire, etc. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on ne fait pas exactement comme ça, mais ça permet de bien imager les choses. Ça, c'est la carte totale. Et en fait, on a différentes informations selon l'échelle à laquelle on regarde. Si on regarde les grandes échelles angulaires, au-delà du degré, ce que l'on voit, c'est directement les fluctuations originelles. C'est des endroits qui n'ont pas eu le temps de se parler. Ça a été gelé et on les voit tels quels. Il n'y a pas d'échelle caractéristique. Tout est, quelle que soit la taille que vous considérez, vous avez à peu près le même contraste de brillance. Et puis à l'inverse, au niveau des petites échelles, ça apparaît un peu comme du bruit, vous avez vraiment une échelle qui ressort, en fait, que l'on voit directement ici, qui est l'échelle du degré. Et le degré, c'est en fait le temps qu'a mis le son à se propager d'un point à un autre dans les 380 000 ans. C'est des zones qui ont eu le temps de se parler. Donc, et c'est ça qui va fixer l'échelle, puis les échelles caractéristiques auxquelles on va voir ces fameuses oscillations acoustiques parce que c'est lié à la vitesse du son. Et le son, on imagine bien que c'est lié au contenu de l'univers. Vous savez que le son ne se propage pas à la même vitesse dans l'eau et dans l'air, parce que ce n'est pas la même matière, là ça va être pareil. Donc ici, vous allez avoir des contraintes directement sur l'univers primordial. Et ici, vous allez avoir des contraintes sur le contenu de l'univers, même s'il faut un peu combiner les deux quand même. Alors, travailler avec des cartes, c'est un peu pénible, parce qu'une carte, c'est 50 millions de pixels à notre résolution, donc c'est quand même très gros. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on suppose qu'on a ce qu'on appelle la gaussianité des fluctuations, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre leur taille et leur contraste. Donc on fait cette hypothèse, on calcule le spectre mathématiquement qui nous dit que
pour des échelles, des fluctuations, des petits grumeaux de telle taille, on a tel contraste typique. Et puis s'ils sont plus grands, et ben là on va avoir un contraste assez constant. Et puis s'ils sont plus petits, et ben des fois ça va être plus ou moins contrasté. On vérifie ensuite cette hypothèse en testant la gaussianité des cartes. C'est quelque chose dont on parle assez rarement parce que c'est monstrueusement compliqué. Et en plus, ça sert juste. Enfin, on n'a trouvé aucun écart à la gaussianité, donc c'est un peu. Voilà. Mais c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on trouve. Et donc, ensuite, on va travailler uniquement avec ce spectre. Et là, on n'a plus que 2000 nombres, donc c'est très facile. Ensuite, comment on fait? Eh bien, on a nos mesures avec leur barre d'erreur, donc on a un spectre mesuré. Et puis, on va faire des simulations. Donc, on va se placer dans un cadre. On va dire, je mets telle vitesse d'expansion, telle quantité de matière noire et telle quantité de matière ordinaire. Je tourne ma simulation et j'obtiens la courbe verte. Je change tel paramètre, j'obtiens la courbe bleue. Et on fait ça des millions de fois. Alors, en fait, on a des techniques un petit peu plus intelligentes maintenant, mais c'est vraiment le principe. Et on regarde s'il y a bien un modèle qui colle. Et si oui, quels sont ces paramètres? Puis après, bien sûr, il faut proprement estimer les erreurs, qui est quasiment la partie la plus délicate. Mais c'est quand même vraiment comme ça qu'on fait. Alors, quel est le spectre de Planck? Le voici. Contrairement à tout ce qui était fait avant, on n'a plus besoin de mettre le modèle en dessous. Vous avez ici 7 pics parfaitement dessinés. Donc c'est le spectre mesuré avec ici les grandes échelles angulaires, ici les petites échelles angulaires. Planck est donc la troisième génération, et avec Kobe, donc il y a 20 ans, on a vu qu'il y avait quelque chose. Il y a 10 ans, avec WMAP, il y a évidemment eu un progrès considérable, et aujourd'hui avec Planck, on voit des détails encore plus fins. Planck a rempli son objectif. On est ici à peu près à la sensibilité ultime en température. C'est pour ça qu'on parle assez souvent de carte ultime pour la température du rayonnement fossile, parce qu'au niveau de cette image primordiale, on ne peut pas faire mieux. Il y a un petit flou intrinsèque parce qu'évidemment l'émission n'a pas été strictement instantanée. Donc on ne peut pas faire mieux que ça en ce qui concerne la carte de l'émission primordiale. Donc ça se traduit sur le spectre, avec Kobe en gros vous aviez un point, avec WMAP vous aviez 2,5 pics. Bon, il y a aussi eu des autres expériences au sol qui complètent, il n'y a pas tout à fait que les satellites. Et puis avec Planck vous avez l'ensemble. C'est quand même assez différent d'avoir un instrument qui donne tout ou plein de petits, parce que les petits en fait ils se raccordent sur les gros. Et cet écart, en gros on regarde comment ça marche et puis c'est quand même une hypothèse assez forte. Quand vous avez un instrument qui vous donne tout, c'est beaucoup plus confortable, potentiellement beaucoup plus fiable. C'est pour ça que il y a aussi après une telle confiance dans les résultats. Donc voici le modèle à 6 paramètres, le modèle de concordance que je vous ai présenté qui marche le mieux. Est-ce qu'il marche vraiment bien? La réponse le 21 mars 2013 a été vraiment oui. Alors, il y a des journaux qui ont titré que l'univers était ennuyeux. Quelque part, on aurait préféré trouver que ça ne marche pas. Pour avoir un prix Nobel, c'est beaucoup plus efficace. Maintenant, on regarde le ciel et on le prend tel qu'il est. Et on trouve que notre modèle à 6 paramètres, qui est donc un modèle quand même très simple, on explique tout avec 6 nombres, il marche incroyablement bien. Donc on peut quand même prendre un petit peu ce modèle comme une base vraiment solide et puis se dire maintenant il n'y a pas le choix, il faut comprendre ces ingrédients. Donc quels sont les ingrédients de ce modèle qui répond au doux nom de lambda CDM, donc lambda étant le symbole de l'énergie noire et CDM pour cold dark matter. Alors on va partir du bas, il y a tau qui est un paramètre d'évolution, c'est-à-dire qu'en fait l'univers ensuite il a été rayonisé par l'allumage des premières étoiles vraisemblablement, et le rayonnement fossile a un peu interagi avec ces nouveaux électrons. Donc il y a un petit effet un peu de filtrage qu'on peut identifier avec la polarisation. En 2013 il a été fait avec les données de WMAP,
Et puis, on a d'autres indications au sol avec les Rallyman Alpha, etc. Donc, pour l'instant, on ne va pas parler de ce paramètre voilà, qui est pris avec des données extérieures et qui correspond à un allumage des premières étoiles vers 800-900 millions d'années. Ensuite, vous avez les fluctuations primordiales. Donc, leur amplitude, finalement, il faut l'ajuster, mais on s'en moque un peu. Et le paramètre essentiel, c'est ce NS, qui est l'indice spectral, qui va traduire le nombre de petites fluctuations par rapport au nombre de grosses fluctuations. Et puis, la quantité de matière ordinaire, baryonique, donc la matière normale, la quantité de matière noire, et la vitesse d'expansion de notre univers, tout ça aujourd'hui. On suppose dans le modèle standard que l'espace est plat et donc ça nous donne directement la quantité de constantes cosmologiques. Alors le contenu en matière, avant Planck on avait cette répartition, après Planck on a celle-là. Évidemment ce n'est pas révolutionnaire puisqu'on a confirmé le modèle standard. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui si on ajoute des observables plus récentes, notamment les oscillations acoustiques de baryons, c'est-à-dire la distribution des galaxies, qui en fait nous dit tout simplement où est la matière aujourd'hui. Ces fluctuations qui ont évolué, elles ont une distribution et on peut aussi les étudier statistiquement et les BAO, c'est exactement ce que ça nous dit. Et on voit que si on ajoute cette information, ça ne bouge plus. Avant, si on les ajoutait, en gros, on devenait comme ça. Maintenant, le rayonnement fossile est tellement précis que ça ne modifie plus le résultat. Donc on peut quand même combiner les deux pour réduire un petit peu les incertitudes, mais en même temps, ça nous permet de vérifier que le modèle est bien cohérent. Quelques pourcents, c'est cependant pas forcément négligeable, parce que ça, c'est la composition en matière aujourd'hui, mais tout ça ne se dilue pas pareil en fonction du temps. Et 2 milliards d'années après le Big Bang, si on prend les chiffres qu'on connaissait avant Planck ou ceux qu'on connaît maintenant, vous voyez notamment, si vous regardez la part de constantes cosmologiques ou d'énergie sombre, typiquement, elle avait déjà commencé à jouer un rôle 2 milliards d'années après le Big Bang. Finalement, non, c'est un peu plus tard qu'elle va commencer à jouer un rôle. Et ça, c'est essentiel pour l'évolution de la formation des structures. Parce que la constante cosmologique va augmenter l'expansion de l'univers qui va évidemment donc repousser les choses et avoir tendance à freiner les effondrements. Alors, ça c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très joli et c'est pas très compliqué en fait. La vitesse d'expansion de l'univers, donc, c'est directement lié au temps qu'a mis la lumière à nous parvenir. Donc imaginez, on va prendre ce triangle-là, nous sommes au sommet du triangle. On est là, on est l'observateur. On regarde le rayonnement fossile et on voit l'échelle caractéristique qui est cette longueur-là. C'est la taille des fluctuations, là où il y a le plus de contraste. Quelle est la taille physique ? On mesure une taille angulaire. Pour la traduire en taille physique, en années-lumière, en millions d'années-lumière, il faut qu'on connaisse cette distance-là. Donc, il y a deux choses. Il y a la longueur du trajet suivi par la lumière, liée à l'âge de l'univers, et puis il y a la trajectoire de la lumière. Si on est un espace plat, si on est un espace à courbure positive ou un espace à courbure négative. Si on n'a que le rayonnement fossile, c'est-à-dire que ce bout de le sommet, vous avez tous ces points-là qui sont possibles, avec à chaque fois des vitesses d'expansion de l'univers différentes et des quantités de matière différentes. Si maintenant, vous ajoutez l'information de l'effet de lentille, vous savez où est la matière quelques milliards d'années plus tard. Donc vous avez une longueur là et une longueur là. Vous avez les traits noirs, vous êtes beaucoup plus précis. Et enfin, vous ajoutez les oscillations acoustiques baryoniques, c'est-à-dire où est la matière il y a quelques milliards d'années, vous obtenez les contours rouges. Donc cette hypothèse d'un univers avec un espace plat, il est incroyablement bien vérifié par les mesures actuelles. C'est traduit par ce paramètre oméga k qui vaut 0 si l'espace est complètement plat. Et vous voyez qu'on est à un niveau de précision vraiment remarquable, nettement en dessous du pourcent, parce que finalement, cette échelle caractéristique,
On a une mesure parfaite à 380 000 ans. On a une idée de la mesure quelques milliards d'années après. Et on a une bonne idée de la mesure 10 milliards d'années plus tard. En combinant tout ça, eh ben, on sait comment, avec quelle dynamique l'espace s'est dilaté et pendant combien de temps. Alors l'inflation, pour finir. Donc l'inflation, c'est un modèle totalement délirant, hein, puisque entre 10⁻�36 et 10⁻30 secondes après le Big Bang, chaque dimension d'espace doit avoir grandi d'au moins 10 puissance 26, donc 1 avec 26 zéros. Donc on fait des petits dessins comme ça, qui, voilà, c'est juste vraiment très très symbolique. Pourquoi est-ce qu'un truc aussi délirant reste néanmoins considéré? Parce qu'on a une solution à, non pas trois en fait, mais quatre problèmes. Il y a un premier problème mathématique, la dilution des monopôles magnétiques, ça a été créé pour ça, l'inflation, mathématiquement. Et puis ça vous dit pourquoi l'espace est plat, que vous prenez n'importe quelle forme, un ballon, vous soufflez dedans extrêmement fort, bah, la surface elle va devenir plate. Pourquoi tout l'univers observable est à la même température alors qu'il y a des zones qui a priori ne se sont pas parlé, bah, parce qu'au départ en fait elles étaient du même point. Et la chose presque la plus importante, c'est que l'inflation, ça rend macroscopique les fluctuations quantiques. Des fluctuations, vous en avez tout le temps. C'est la mécanique quantique qui vous le dit. Mais, a priori, si vous faites évoluer sans rien de spécial, il n'y a aucune raison qu'à la fin, vous arriviez avec des fluctuations visibles. Avec l'inflation, vous avez des fluctuations quantiques d'énergie, des endroits avec un peu plus ou un peu moins d'énergie. L'inflation grossit tout ça, ça vous donne des fluctuations de courbure dans lesquelles on va former, ben dans les creux, un peu, ça va faire un peu des creusets dans lesquels on va former un peu plus de matière, puisque c'est avant même la création de la matière. On va former un peu plus de matière à certains endroits, un peu moins dans d'autres, et on va arriver jusqu'aux galaxies et aux amas de galaxies. Alors, on a donc envie vraiment de savoir comment s'est passée cette inflation. Alors, l'inflation, c'est une famille de modèles, hein, ce n'est pas des théories, c'est des modèles. Il y en a plus d'une centaine. Là-dedans, il faut essayer de faire un petit peu de ménage. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que selon comment s'est déroulée l'inflation, bah, ça se voit sur la carte. Donc, l'inflation, il faut imaginer que l'inflaton, il met une petite bille qui descend ce toboggan-là. Et puis, selon la forme du toboggan, ça va faire une carte différente. Alors ici, vous avez des exemples simulés qui sont évidemment extrêmes, hein, pour qu'on voit bien quelque chose. On voit que celui-là, par exemple, il est quand même pas trop mal. Celui-là, il y a un petit peu de vrai aussi, mais quand même moins. Voilà. À l'œil, on a envie de se dire que celui-là, il est pas mal. Donc ça, c'est des cas extrêmes. Et puis, on va analyser la carte pour essayer de voir en fait quels sont ces paramètres. Ce fameux paramètre NS qui nous dit combien il y a de grosses et de petites fluctuations, et puis ce paramètre R qui va quantifier la quantité de fluctuations d'origine tensorielle et d'origine scalaire. On va juste retenir que ce n'est pas les mêmes. Oups. Alors, un des plus beaux résultats de Planck, c'est ce schéma où vous retrouvez les deux paramètres de l'inflation, NS et R. Donc, que R soit 0, c'est une hypothèse du modèle de base à 6 paramètres. Et Planck a dit qu'a priori, il était plus petit que 0,11 exactement. Une chose très importante, c'est que les modèles d'inflation, pour que l'inflation se termine, il faut que NS soit plus petit que 1, juste un petit peu. Avant, on avait déjà NS plus petit que 1, mais compatible avec 1. Maintenant, NS vaut 0,96 et il ne peut plus être égal à 1. On est à plus de ce qu'on appelle 5 sigma. La courbe, la région autorisée, c'est la région bleue. Et vous ne pouvez plus aller jusqu'au 1. Et ça, c'est vraiment... ça confirme une prédiction du modèle d'inflation forte. Donc, c'est aussi pour ça que même un certain nombre de personnes qui étaient assez récalcitrantes vis-à-vis de l'inflation... Après les résultats de Planck, ils ont quand même dit un peu « ok ». Autre chose, c'est qu'ici, les petits traits ou les petits ronds représentent différents modèles d'inflation avec différents paramètres. Bah, vous voyez qu'il y a des familles, il y a des modèles, bah, ça ne marche pas. Il y en a d'autres, ça marche très bien. Puis il y en a d'autres, bah, certains paramètres, ça ne va pas, d'autres paramètres, ça va bien. Donc on a commencé vraiment le tri.
Pour aller plus loin, il faut ajouter une autre information sur le rayonnement fossile qui est la polarisation. Donc là, les résultats de plan qui sortent dans 3 semaines, mais il y a quand même déjà quelques petites choses à raconter dessus. Alors vous avez sans doute entendu parler des ondes gravitationnelles primordiales avec les résultats de BICEP au mois de mars. Donc les ondes gravitationnelles primordiales, elles sont généralement considérées comme une preuve de l'inflation. Donc évidemment, on ne peut jamais prouver aucun modèle, aucune théorie. On ne peut jamais prouver que c'est vrai, on peut juste prouver que c'est faux. Cependant, on ne connaît aucune autre façon de produire le signal en mode tensoriel, donc un signal très particulier. L'inflation le prédit pas son amplitude, il prédit sa forme. Et puis, il n'y a rien d'autre. Donc, on se dit généralement que si on le voit, c'est une preuve de l'inflation, sans oublier les guillemets. Et donc, ce qu'il faut le voir, c'est vraiment comme une distorsion de l'espace. C'est exactement comme des ondes à la surface de l'eau. Vous avez la surface de l'eau qui va être un peu plus haute ou un peu plus basse au passage de l'onde. Et bien là, vous allez avoir l'espace qui est un petit peu distendu ou comprimé. Et la matière qui le porte va suivre cette déformation et ça va, comme elle est liée à la matière, ça va laisser un signal sur la lumière qui va avec. L'effet de lentille gravitationnelle peut aussi produire un tel signal, mais à d'autres échelles angulaires. C'est vu, c'est compris et c'est pas la même origine. Donc les mesures, ici vous avez la carte mesurée par BICEP en 2014. Et on voit parfaitement ces spirales caractéristiques de ce signal en polarisation tensorielle. Donc ce signal, il est magnifique et indubitable. La question, c'est qu'est-ce qu'on voit ? On voit au moins un peu de rayonnement fossile, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on ne voit pas aussi un peu de notre galaxie ? Parce que nos poussières galactiques, elles émettent un rayonnement aussi polarisé, et à la fois en mode scalaire et en mode tensoriel. Elles font les deux sans aucun problème. Donc il y avait eu un peu des alertes sur, dès le départ, de certains de Planck plus ou moins confiants, sur la contamination galactique non négligeable. La collaboration BICEP disait « il n'y a pas de galaxie », et Planck disait « attention ». Et en octobre dernier, Planck a sorti ses cartes, alors c'est des cartes un peu spéciales, avec juste les pôles, le pôle nord galactique, le pôle sud galactique, avec des très gros pixels. Ici, c'est la zone vue par BICEP. Et la couleur, en fait, vous prenez votre signal à 353 GHz, donc là où on mesure la polarisation de la poussière galactique, vous l'extrapolez aux fréquences du rayonnement fossile, et ensuite vous dites, si je crois que c'est de la cosmologie, qu'est-ce que ça va me dire ? Et le problème, c'est que ça vous dit un peu ce qu'ils ont dit, en disant que c'était du rayonnement fossile. Alors, on ne dit pas que ça, c'est un signal galactique. Ce qu'on dit, c'est attention, il y a au moins un peu de galaxie. Et actuellement, il y a une étude commune avec les deux collaborations pour avoir la vérité. Et avec une erreur la plus précise possible, et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors Planck a quand même vu la polarisation. On n'a pas tout donné en 2013, mais néanmoins, on a quand même regardé la polarisation scalaire, donc celle liée au mouvement de la matière qui tombe vers les surdensités. Donc là, c'est la même physique complètement que celle de la température. Et en haut, vous avez les observations, en bas, les simulations dans le cadre de notre modèle. Si j'enlève les légendes, on est incapable de savoir où est la simulation, où est l'observation. Ce qui veut dire que nos hypothèses, tout ce qu'on a mis derrière notre calcul, est vérifié avec un très haut degré de précision. Parce que si on suppose la température et qu'on calcule ce qu'on doit voir en polarisation, c'est exactement ce que l'on voit en polarisation. Et à d'autres échelles, ça permet de lever les dégénérescences, donc c'est très précieux. Il y aura des premiers résultats en décembre de cette année et d'autres en 2015. Alors pour finir, je vous ai dit à quel point tout était parfait. Il faut quand même rajouter un petit mystère à la fin. Ça, c'est toujours pareil, le spectre avec le modèle, mais un peu dans une autre échelle. Et puis, là, les points, ils sont en dessous du modèle.
Tout est tellement bien, on a tellement confiance dans le reste qu'on se dit c'est quand même un peu bizarre. Alors les gens se sont amusés à calculer ce qui pourrait manquer. C'est-à-dire qu'on a manqué de puissance, donc en fait on peut faire la différence entre la carte attendue et la carte observée. Ça ressemble à ça. Donc vous voyez quand même que le déficit il est de millionième de degré aux grandes échelles, hein, c'est tout petit. Comment interpréter ça? Eh bien, il ne faut pas oublier ce qu'on regarde. Ici, vous avez, on a l'observateur, on regarde autour de nous. Ici, vous avez juste une demi-sphère. Donc, ce qu'on voit, bon, c'est une sphère complète, mais ce n'est que cette petite portion de l'espace potentiellement infini. Est-ce qu'on n'a pas de chance? C'est-à-dire qu'ailleurs, si on était à 30 milliards d'années-lumière d'ici et qu'on faisait cette expérience, peut-être qu'on suit parfaitement le modèle théorique. Peut-être que c'est le signe qui a quelque chose à rajouter au modèle. Mais le signe, il n'est pas assez fort pour que ce soit sûr. Peut-être aussi que c'est une espèce d'illusion d'optique à cause de la répartition des galaxies autour de nous. C'est une hypothèse qui est envisagée. Ce dont on est sûr maintenant, parce que ces choses-là avaient été trouvées avec WMAP, mais les gens ne savaient pas si c'était un effet instrumental, ce qui est aussi possible, on est à des effets incroyablement fins. On voit la même chose avec WMAP et les deux instruments de Planck. Donc c'est sur le ciel. Mais c'est à un niveau le plus inconfortable possible. C'est comme ça. Donc pour conclure, j'aime bien cette image qui résume un petit peu la façon dont on observe l'univers. Hein. Donc on regarde autour de nous. Bien évidemment, l'observateur n'est pas le centre de l'univers avec un grand U. L'univers est potentiellement infini. En tout cas, il est plus grand que ce qu'on peut observer. En revanche, nous sommes au centre de notre univers observable. Et ça, c'est juste notre totale impuissance. On peut juste regarder. Voilà, Philae a bien de la chance, on est tout cœur avec elle, son voyage est long, mais elle va pouvoir aller jusqu'à son lieu d'observation et faire ce qu'elle veut. Nous, on peut juste récolter la lumière. Alors, on voit notre galaxie, on voit d'autres galaxies par effet Sanayev-Zeldovitch, je n'ai pas eu le temps d'en parler, le fond diffus infrarouge, la distribution de masse grâce à l'effet de l'antigravitationnel. La rayonisation, là ici c'est une simulation parce que c'est lié à la polarisation, et ce rayonnement fossile. Et on voit l'univers tel qu'il était à ces endroits-là en fonction de l'époque qui correspond à leur distance. Et puis avec tout ça, on essaye de reconstituer l'ensemble avec des simulations comme celle-ci. Et évidemment, on se pose les questions de au-delà, etc. Voilà, je vous remercie.